les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. Je suis très excité aujourd'hui. C'est un mélange de sentiments. Je suis très excité, mais en même temps un petit peu triste puisque c'est la dernière journée à Istanbul. C'est pas réellement la dernière journée puisque aujourd'hui c'est samedi, demain c'est dimanche. Je pars lundi matin très tôt, mais voilà, le dimanche, beaucoup de commerces sont fermés. Et je vous le rappelle, ici à Istanbul, le dimanche c'est couvre-feu, même si ça ne concerne pas les touristes, mais voilà, tout est fermé. Donc c'est vraiment aujourd'hui ma dernière journée de balade à Istanbul, la dernière journée d'exploration. En plus c'est le week-end, donc Madeleine va m'accompagner. On va aller faire un petit tour du côté européen. Il y a quelques petites choses que j'ai envie de revoir pour la dernière fois. Et puis il y a aussi deux endroits où je ne suis toujours pas allé qui m'intéressent. C'est le quartier de Balat et puis le quartier Pierre Loti, la colline Pierre Loti. Normalement on a une jolie vue. On va essayer de faire tout ça. Je ne sais pas si on pourra tout faire dans la journée puisque voilà, il est déjà un petit peu plus de 11h. Mais je me suis levé tôt ce matin puisque je suis allé faire mon test PCR pour pouvoir rentrer en France. Je me suis arrêté bien sûr dans mon petit café à côté, mon café préféré. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée, pour la dernière journée ici à Istanbul. Gonna find you and take things slowly. Bon Madeleine, t'es prête? Quasiment. Quasiment. C'est bon Madeleine? Oui, on y va. Va là-bas ? Merhaba. Oh Madeleine, on est arrivé dans quel quartier? Balat. 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 Ne biliyor musun sen? C'est quoi ça, Madeleine? Mais... magnifique brownie. C'est, comme tu dis en France, brownie. Brownie, a brownie.
자식이가 받으신데 저리 좀 해주세요. Ja, heute ist Sonne in Istanbul, wir sind ein bisschen draußen im Ballad, laufen hier. C'est l'heure du déjeuner? Ah ouais. Aujourd'hui, famous köfte. Köfte avec? Avec eggnog, pas et Pablo Blanc. Comment tu dis? Pablo Blanc? Pablo Blanc. Pablo Blanc? Pois blanc, un petit peu d'oignon, carotte, sauce à côté, on a de la menthe séchée, un petit peu de piment en poudre. Ça a l'air très 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 sympa. Un petit Fanta pour Madeleine et de mon côté Ayran. Jules, tu manges encore? Oui. C'est quoi? Excellent, très très bon kofte. C'est les derniers jours. On se fait plaisir. Bon, c'est bon Madeleine, t'es prête? Oui. Alors, on vient de faire une jolie balade dans le quartier de Voilà, je suis très content d'être venu ici, ça fait longtemps que c'était sur ma liste. Très joli quartier, architecture un peu ancienne, enfin des vieilles maisons, assez colorées. Quartier sympathique où il y a quand même pas mal de petits cafés, ça dépend des rues. Il y a des rues beaucoup plus calmes, mais il y a des rues où il y a pas mal de cafés. Et aujourd'hui, c'est samedi, il fait très 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 beau, il y avait beaucoup de gens à se balader. Et surtout, on vient d'aller manger dans un très très bon restaurant, dont j'ai déjà oublié le nom, mais je vais vous le mettre bien sûr ici en légende. Très bonne adresse, j'avais noté cette adresse il y a très longtemps, avant même de venir en Turquie. J'avais regardé quelques vidéos de bouffe, des chaînes de bouffe, et c'était vraiment excellent, on s'est régalé. Madeleine, c'était bon? Super bon. C'était vraiment une tuerie. Kofte, alors j'ai pris une assiette en plus, trois assiettes avec petite salade de pois blanc, oignon. On a rajouté du vinaigre blanc de raisin, du vinaigre de grenade. Vraiment excellent, petite sauce bien relevée à côté. Donc les trois assiettes au total, ça a coûté 120 lira, ce qui doit faire dans les 13-14 euros à peu près au cours actuel. Si vous venez faire un petit tour dans le quartier d'Alat, je vous conseille vivement d'aller manger un petit bout là-bas, c'est très très bon. Ça existe depuis 1937 et les patrons là, ils débordent d'énergie et tout. Vraiment très bon service et surtout très très bonne cuisine. Alors Madeleine, on est où maintenant? Nous sommes dans Pierre Loti. C'est un mec français, je ne connais pas, mais c'est ça. Sur la colline? Sur la colline de Pierre Loti. Très bien. Avec une vue assez fantastique sur Istanbul, regardez. Avec, comme je vous le disais, un temps magnifique. Vraiment très 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 belle vue. Thank you.
Copier, c'est collé. Pidé. C'est l'heure tant attendue du pidé pour Madeleine, champignons, tomates, il y a un petit peu de viande. Et pour moi, toujours le même, bien sûr, fromage pastirma. J'espère que ça vous a plu, cette dernière journée d'exploration à Istanbul. On a passé une journée vraiment fantastique, avec un soleil bien présent, gros ciel bleu. C'était vraiment génial. Et puis, découverte pour ma part de deux nouveaux quartiers, donc le quartier de Balat. Je vous conseille d'aller découvrir ce petit quartier qui est très sympathique. Et puis, la colline Pierre-Loti avec ses nombreux cafés, restaurants, ses terrasses qui offrent une vue vraiment fantastique sur la ville d'Istanbul. C'était génial. Sans oublier le déjeuner de kofte ce midi qui était vraiment aussi excellent. Ce déjeuner, bien entendu, je voudrais le dédier au tipeur. Je voudrais remercier ce soir Nicolas Dupuis du Québec, Cricri du Québec également, et Boulette et Brioche. Merci infiniment à vous quatre pour votre générosité. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très 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 bientôt pour une prochaine vidéo qui sera en France. Ciao, good night.